Salut tout le monde, c'est Flavius Contentius et on est là pour un nouvel épisode sur Rome Total War Battle for Antares 4. Précédemment, nous avions l'économie qui repart lentement. Nous avons réussi à sauver Pornograd. C'est juste que les hommes lézards ont des généraux ouais. Bon, alors malheureusement, je crains qu'on soit en situation terrible pour Gwenfor. Eh bien, la bataille de Gubberkos s'est passée comme on avait prévu. Mais pas que j'avais pas prévu que toutes leurs armées iraient foncer sur moi, malheureusement non. Bon bah je vais essayer de faire durer le front. En attendant, on fonce vers le sud pour Longshore Post. Et j'ai réussi à tendre une embuscade. Je pense que je devrais faire ça, c'est tendre des embuscades le long du chemin pour bien annihiler leurs armées. Mais bon, on en a annihilé qu'une. Tirsos, qui est un diplomate de 44 ans. Toi, je voudrais pas te buter, mais il faut que tu dégages. On a juste beaucoup d'hommes en moins. 4 contre 2, 3 contre 2. Et alors, ils ont des Grand Treavor, ça va pas m'arranger beaucoup. Ils ont des chars. Alors, j'ai pas compris. Est-ce que. And will no time to prepare the enemy nothing. Mais ne savez. Ah, et non. Donc, c'est sûr. Parce que des fois, on pouvait faire une embuscade. L'ennemi n'est pas encerclé. Enfin, ils ont eu le temps de se préparer. Mais là, j'ai pas l'impression qu'ils sont préparés. Bon, malheureusement, leur système de flotte. Font que bah malheureusement je ne peux rien faire pour les empêcher de faire des navires. Bah faut espérer que les rebelles massacrent leur flotte. Mais bon, ça c'est pas autorisé. Bon, bah on va faire cette baston. Je retrouve tout de suite sur le champ de bataille. Donc très bien, on se retrouve sur ce champ de bataille et ce n'est pas une embuscade ça monsieur. Non là ils auraient pu faire un effort. Ah oui, donc ils ont gardé les batailles navales. Ah bah non, parce que je pensais qu'ils avaient que ça existait plus les fleuves. Si, ça existe encore en fait. Quelle surprise, date surprise les gens, quelle surprise. Ce qui n'est pas très intéressant. On va se poster là, voilà. En plus, leurs hommes vont bien se faire étriper lorsqu'ils vont traverser ce putain de fleuve. Bon là, faut qu'on perde aucun homme. Parce qu'il faut que j'atteigne vivant mon territoire, parce que sinon là, je suis un peu dans la merde. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh ben non! Non mais là vous êtes relous les mecs! Non mais là vous êtes relous. Mais putain les mecs! Les mecs ils se barrent, ils s'en foutent! Ah oui, en fait la guerre elle est... Je la gagne les doigts dans le nez. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'ils font les mecs? Ils se barrent! C'est vraiment pas une blague, ils se barrent! Oh putain! Bon, bon. Est-ce que je pourrais un jour avoir une bataille s'il vous plaît? Non parce que... Non vous pensez pas que là ils sont... Ils déconnent? Bien, ils m'ont vu venir si j'ai bien compris. Bah je vais aller les narguer comme ça. Voilà, on va attendre qu'ils y viennent. Bon, ça va être compliqué de gagner cette baston en fait. Putain, les enflures, ils sont postés. Ils sont postés à l'endroit que j'avais mal pas prévu. Putain. Mais putain, mais t'aurais pu... Bon, c'est la pire embuscade que j'ai jamais fait, en fait. Bon, on va faire un groupe et on va traverser ce putain de fleuve. Génial, je devais éviter d'avoir des morts, et ben je vais en avoir quand même. Bon, moi, on leur fait quelques pertes, donc c'est bien. Ils commencent à se prendre des flèches. On va bien se réfugier au fond, là où ils peuvent pas m'atteindre. Putain, mais ils tirent loin en fait. Putain, mais ils tirent loin en plus. C'est quoi cette putain? Putain de troll, les mecs ils tirent à 1 milliard de kilomètres. Bon, alors on traverse. Bon bah au moins on peut savoir. Maintenant, vous savez que si vous tentez une embuscade au niveau d'un fleuve, c'est même pas la peine d'essayer. Ça ne marche pas. Où sont les pourcentages de perte? 7%, bah c'est pas trop mal. Bon, si on perd aucun tank, ce serait bien. Ah, ça fait du bien de les voir se faire 10. Bon, en attendant, ils épuisent leurs munitions, ce qui est un bon avantage pour moi en fait. Là, il faut. Toi, tu vas tirer là-dessus et toi là-bas, tu vas. Passez par là. Ah.
courez, courez! Bordel, les arbres, ils les ont bloqués, merde! Mais... Oh, c'est casse-couille quand ils font ça, le truc! On va les forcer à sortir du bois, donc ça va bien les troller. C'est... Oui, c'est bien! Et voilà, on a neutralisé une de leurs unités. Bon, bah c'est loupé pour le plan sans mort. Génial, bon. On va pouvoir peut-être faire cette baston. Très bien, leurs trucs sont tombés, ont pété un câble et ils sont barrés. Voilà. Bon, ben on va pouvoir aller enfin décimer les survivants. Parce que je viens de perdre des soldats inutilement, en fait. Voilà. Très bien, alors là, ils viennent... Déjà, il y a une de leurs unités qui s'est barrée, elle a même pas combattu. Ils ont plus de flèches. Est-ce qu'ils ont encore des flèches? Il se pourrait bien qu'ils n'aient plus de flèches, en fait. Ouais, ils ont peut-être plus de flèches en fait. Attendez, on va voir. On va voir si. Oh non, ils ont encore des flèches. Oh, c'est. Non, mais là, ça, c'est relou. Regardez, ils reculent petit à petit. Ils voient quand je vais tomber sur eux. Feu! Finalement, on se sent pas trop mal. Bon, ça se déroule pas trop mal, finalement. En fait, on va les vaincre. En fait, on va les décimer. Le général, je vous prie. Faut buter le général. Oui. Il fait rien, le général. Allez! Voilà, quand vous butez le général... Putain, le général, la chute qu'il a fait, il a fait « I believe I can fly ». Sauf que là, c'est « I believe I can dead ». Bon, là, c'était... Je vais continuer. Attends, ils m'ont fait perdre des soldats. Je sais pas... Moi, ce que là, j'en ai perdu des hommes. Non. Bah, tout compte fait, mes hommes sont peut-être... Mes hommes sont pas si mal, en fait. Mes hommes sont capables de grandes choses. Bon, bah là, on va peut-être pouvoir anéantir cette putain d'armée, cette fois. Cette fois, on fait pas le coup deux fois, les mecs. Alors, faut savoir un truc. Putain, le grand trait à voir, la chute qu'il a fait. Bon, on a buté qu'un général. De toute façon, il y en avait qu'un. Le mec, j'aime bien, il croit qu'il y avait plusieurs généraux, mais non. Allez, vous le butez. Bon, deux, ils vont pas, sont pas prêts de se reformer. Putain, le mec, il a pris cher. Bon, ben, tu peux être fier de toi. Combien d'hommes j'ai perdu derrière? Parce que j'en ai perdu plein à tous les coups. Alors, nous avons perdu 3, 4, 5, 6, 7, 8 hommes. Bon, 8, au moins, c'est pas trop mal. Mais bon, on aurait pu limiter les pertes quand même. Combien ils sont? 80%. Bah, c'est sûr, on les a bien massacrés en fait. Très bien, ils sont coincés. J'aime bien, on tue des mecs à travers la ligne. C'est ça, vous pouvez courir dans les bois, moi je vous bute. Je les bute dans les bois avant même qu'ils aient atteint le fond. Bah. J'aime bien, ils ont bien fait le truc. Regardez, les tanks qui les écrasent, donc ça fait de la compote d'hommes lézards. Et cette phrase est dégueulasse. Bon alors les petits enfoirés, vous me refaites plus le coup, hein. Allez, il n'en reste plus qu'un. Et voilà, à 60 ans, ce mec gagne encore des batailles. Yes. On a perdu 7 hommes. Combien?
4 régénérés. Oh bah c'est super. Ah oui, on avait plus en fait. Bah ça me rassure pas ça. Bon, au moins nos unités sont toujours au-dessus de 30. Alors, notons qu'on... Oula, 80 morts, 56 ennemis tués. En général, il a au moins tué 5 personnes, voilà. Alors, on a perdu 7 hommes, donc ce qui est pas trop mal. Eux, ils en ont perdu 258, ils sont tous morts. On se retrouve sur le champ de bataille. Oh, on les a tous tués. Lol, le troll, on les a tous butés. Je vous ai tous massacrés, hein. Qu'est-ce que c'est le troll? Je vais faire un pas et je vais me faire tendre en embuscade, c'est ça? Oh putain, mais non! Non mais là, les mecs, vous êtes relous. Bah, putain, en plus, ils font bien. Ils utilisent bien la position de se cacher, en fait. Bon bah, toi, on va te buter. 48%. T'as réussi! Mais attends, t'es un expert! Comment tu peux louper un truc pareil? Parce que, si je fais un pas, je vais me faire buter. Vous êtes d'accord? Il y a une armée qui est derrière. Si je fais un pas, je vais tomber en embuscade. Ouais, donc ça, ok. Voilà. Et on est à moins de 2 tours. Ouais. Bon, là-dedans, il n'y a pas beaucoup. Il y a qu'un bâtiment. On n'est pas prêt de tomber vraiment en embuscade. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, en fait? Il y a 2 unités. 2! Mais je vais pas tenir avec 2 unités, bon sang! Faut qu'on fasse des bâtiments quelque part. On a de l'argent, alors faut en profiter. Faut profiter qu'on ait de l'argent. Yeah. Commence à avoir des forts, Torres. Ça va être bien. Ah bah là, ça finit, donc on va construire. C'est fini, je voulais dire. Bon là, ils sont cachés quelque part. Vous pouvez me faire confiance, je vais pas marcher dans un endroit que je suis pas sûr. Je vais sauvegarder au cas où si ces petits hommes lézards me tendent une embuscade. Alors si je bouge. C'est bien, on n'est pas tendu en embuscade. Il y a une armée qui s'est cachée là. Trouvé! Je t'ai trouvé, mec. Putain. Ouh, putain. Là, ils sont capables de me tuer juste avec de leurs flèches, quand même. Est-ce qu'il y a des armées de débarquement encore en approche? Non. 3. 5. 6. Putain. Oh, non! Oh, putain, mais non, mais arrêtez ça. Mais c'est pas juste. Pourquoi vous leur donnez des hommes à eux? On va refaire... Bon, on va faire un navire. On a de l'argent, on va en profiter. J'espère qu'on va pas avoir une bataille dans cet épisode. Après, est-ce que là, bataille, j'en peux plus. Oh, ils ont encore des membres de la famille qu'ils envoient au combat. Putain, mais ils sont chiants avec ça. Je voudrais vraiment qu'on fasse la paix, mais ils sont pas... Putain. Bah, allez-y. Ah, putain, ça va être... C'est pas possible de gagner cette guerre. Les mecs, tu fais juste une armée, ils sont là, ils veulent te buter. Bah, génial. Oh, putain. Ok, il s'est caché dans le bois. Bah toi tu veux aller là-bas. Donc alors on va aller là. Et toi tu le rejoins. On a fait un transporteur, très bien. Watch over point, la villa est terminée. Alléluia. Là-bas ça se construit. Tout se construit là, tout. Putain mais où sont leurs armées, bon sang, ça me fait flipper. Tu vois quoi, ils sont cachés dans le noir. Ouais, vous m'avez trouvé, mais excusez-moi, je suis en embuscade. Excusez-moi, monsieur, mais je suis en embuscade, donc vous n'êtes pas prêt de me trouver, en fait. Bon, qu'est-ce qu'on va construire? Parce qu'on a tellement d'argent que... Je ne sais plus où donner de la tête. Non? Ouais. Qu'est-ce que je peux construire? J'ai pas beaucoup d'argent, alors... Donc là, il y a mes dimensions dessus. Bah, vu qu'on a besoin, de l'effort de guerre, alors... Oh, on a de nouveaux généraux. Alors, est-ce que j'ai pas un général à envoyer quelque part? Alors là, il y a quelqu'un. Là, justement, il y a quelqu'un d'autre. Là, il n'y a plus qu'un mec, mais il va pas tarder à glamser. Je sais pas pourquoi il est tout seul. Toi, je vais t'envoyer à Windblast. J'espère que ces rebelles locaux ne m'attaquent pas. Oui, donc j'ai vu, j'ai plusieurs généraux. Là, il y a personne. Là, il y a, comme d'habitude, un mec. Là, il y a personne aussi. Personne. Ah, il y a un mec. Bon, on va laisser ce que l'autre, il va crever. Alors, attendez, est-ce que le tour vient de se finir? Non, excusez-moi, parce que j'ai l'impression que le tour était fini. Non, excusez-moi, ça m'arrive souvent de vous croire que le tour est fini, mais en fait, non. Ah, ah, tu as cru que... Tu as cru... Pff, heureusement, il n'y avait personne dans le bois. Tu as cru quelque chose. Oh, putain, j'ai perdu mon meilleur agent qui vient de crever dans de la manière la plus débile du monde. Bon, je voudrais la paix. Qu'est-ce que vous voulez?
Attendez, je peux proposer un truc. Alors, si on fait la paix, on fait ça, 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 et non, je voudrais vous faire un paiement de 600. Vous êtes chiant, sérieux? Vous savez pas ce que c'est les négociations politiques? Oh putain, génial. Putain, faut vraiment que je tente un débarquement sur une de leurs îles. Bah, pourquoi vous m'attaquez, sérieux? Oui, c'est vrai que Gamma, il m'a dit que vu qu'on est que deux, alors... oui, génial, il y a une autre armée là-dedans, et elle va m'attaquer qui est... Oh, bah voilà! Je sens qu'il y a un traquenard quelque part. Textus, Norchant passe. Ah, il y a personne. Ouh là là là, il y a personne. Hop là, et on va baisser les angles. Là, ingénieur, on a perdu un général. Ça y est, il est mort. Atia est mort, est morte. Pardon. Atia, est-ce que ce serait pas la femme de mon chef de faction? Ah non, ça, elle a 45 ans. Ah oui, c'est vrai que dans ce jeu, il faut comme dans le temps, tu maries tes filles avec des mecs extra vieux. Oh, on a de nouveaux généraux. Ah! Attendez, Nero Vibius, c'est pas un... Non, non, j'ai cru un truc, mais je crois pas que... Je crois que j'ai cru voir un truc, mais non. Windblast, c'est fini, et eh bien, toi, tu vas aller là-dedans. Ah, la population n'est pas trop, bah, et eh ben, tu vas t'habituer, espèce d'enflure. Winfor, je sens que je vais me faire attaquer, mais je sais pas par quoi. Ah bah oui, je peux remettre les impôts maintenant. Greenfor, non, j'ai déjà vu. New Even. Je suis perdu, mais... Il prépare un assaut final sur moi. Qu'est-ce qu'ils ont dans l'armée? Ah non, tout compte fait, c'est des Braincoats. Et bon, si c'est qu'une armée qui va me sauter dessus... Bon alors, eh oh, je suis tout seul. Quelqu'un peut venir me tuer? 3 unités, c'est pas possible, mais il faut tomber pas en crise. Sérieusement, j'ai envie de mettre un cheat juste pour les massacrer. Mais je sais que vous n'aimez pas les cheaters, alors moi je vais pas mettre de cheat. Vous me dites si je dois mettre un cheat, parce que c'est impossible de gagner. Bon, si je dois perdre la campagne, c'est pas grave. Est-ce qu'il n'y a pas une armée? Si, tu es là, petit coquin. Et bah, tu es découvert. Je vais me poser là, au cas où s'il m'attaque, de toute façon... chef faction, il a 61 ans. Il continue de vivre. S'en fout, le mec, il a 61 ans. Moi, je vis comme je veux, voilà. Bon, alors, je vais pas me faire... Voilà, donc on est posé sur une position en hauteur. Alors, si ces petits gogoles veulent bien venir me massacrer, eh bien, ce serait un honneur de se faire tuer. Bonjour, monsieur. Putain, ce mec, il a survécu, mais un truc de ouf. Très inconnu, à vous. Bah oui, c'est sûr, quand il y a un mec que tu parviens pas à buter, je pense pas que tu vas savoir ses stats. Donc là, il y a un mec en moins. Donc là, on va construire le marché. On a besoin d'argent. C'est sûr et certain. Le fric, priorité au fric. Oh, putain, mais arrêtez, sérieux. Est-ce que je dois vous donner de l'argent? Non, parce que là... attendez, j'ai un petit navire qui vient les faire chier, mais non, non, ils s'en foutent. Pas possible, mais arrêtez, bordel! Mais arrêtez, j'ai compris que vous voulez me défoncer la gueule! T'as pas besoin de passer de... Oh, et merde! Il est mort. Bah, génial, j'ai perdu mon chef de faction au passage. Bon, toi, c'est pas la peine de... Je sais que t'es là. Oh, putain, génial! Maintenant, mon chef de faction est mort, Flavius Koenig est mort à 61 ans. Oh là là! J'aurais dû me taire. Mort en paix. Ça, tu peux pas imaginer. Donc c'est toi, le nouveau chef de faction. Alors l'héritier, c'est lui. Donc non, maintenant l'héritier, c'est lui parce que c'est un enfant qui est plutôt... Comment dire... Naturel. Here's John Jainer, Arcadia. Génial, je perds mes généraux tout le partout. Génial. Donc là, ça se construit. Ouais. On va faire ça, on a besoin d'agriculture. Oui, l'agriculture c'est aussi important que l'argent. Bon, est-ce qu'on va peut-être pouvoir se sortir dans cette campagne? Elle va durer un milliard d'épisodes. Je vous dis que cette campagne ne s'arrêtera jamais. C'est la campagne sans fin en fait. Il y a un truc là. Salut, tu as 11 hommes? Putain, les navires ils ont pas grand chose.
Ouais, bien sûr, dites-moi que je suis nul encore. Il avait quoi ce navire en fait? Ils sont tous 5 quand même. Bon, au moins ça c'est fait. Ça maintenant vous savez que mes flottes sont nulles, que je ne peux pas affronter. Bon, je peux pas recruter un général Sextus. Quel âge il a ce petit Sextus? Eh ben j'en sais rien. Un truc est sûr, c'est qu'il a un sextant. Ah, il m'attaque. Excuse-moi de te dire ça, mais je suis un tout petit peu un poil en hauteur. Donc, oula. Ah oui, c'est... Ça s'arrêtera jamais. Dès que je pète une armée, il y en a une autre qui apparaît. C'est pas possible. Oh là là, bon, j'ai envie de dire, si je perds cette campagne, c'est pas très grave. Au moins, moi, je vous aurais fait un gameplay. Vous savez que c'est un... En fait, cette campagne, c'est un gros défi, s'il y en a qui comprennent. Bon, 21 minutes, je peux tenter cette bataille. Ben, on va essayer cette bataille, je vous dis. On va aller botter le cul de ces soldats. Bon, là, j'ai une chance. Est-ce qu'on est en hauteur? Donc, logiquement, en hauteur, on a une chance. Donc, pas de cavalerie. De toute façon, je vois mal ce que c'est leur cavalerie. Ah, non, non. En fait, je vois ce que c'est, mais... Voilà. Oh là là là. Qu'est-ce que je peux faire? Et maintenant, tout ce que je peux faire, c'est de faire un cheat pour gagner la campagne. La logique, s'il vous plaît. Bon, ben, malheureusement... Si l'objectif de cette campagne c'est que je perds comme ça, ben bon, allons-y. Ah génial, c'est un général dans un tank qui... Mon général est un tankiste. Oh ça c'est génial. Attendez, on se pose bien en hauteur. Attendez, non, là si vous me dites que je perds la bataille, c'est impossible. Attendez, excusez-moi, je suis en hauteur. Attendez, on va explorer. Hein, ça c'est du terrain hauteur, j'ai envie de dire. Voilà, ça va faire bizarre. Mon général est mort. Ah bah attendez, vu qu'on en a d'autres dans une armée de pas très loin, on va pouvoir l'envoyer. Attendez, on va les mettre comme ça. Ah, la barre est quand même en notre faveur. Bon, en même temps, je vais pas. Ah, ah, vous ne pouvez rien faire face à moi. Pour moi, c'est un magnifique massacre que l'on voit devant nos yeux. Oh bah en fait, on se fait un peu décimer. Combien de pertes pour l'instant? 5%. Oh bah. Oh putain, ça fait carrément laguer le jeu. En fait, nous, on est un groupe. En fait, c'est la charge suicidaire du film. Si je fais sur un cerf. Ok, donc ça fait que zoomer. Attendez, on va essayer de démoraliser leurs hommes en faisant une attaque de flanc. J'ai une belle isère. Non, rien. Excusez-moi, j'entends des trucs qui sont illogiques. Vous ne pourrez rien faire. Je suis bien posé en hauteur. Et vous? Non, en fait, ça va pas marcher. On va pas tenir. Je suis désolé, mais je crains qu'on ne puisse pas tenir. Allez, mais tombez en déroute! Regardez, ils sont démoralisés. Oui, c'est ça, faut tomber en déroute. Faut faire l'effet papillon, faut les contraindre à fuir. Oui, c'est bien. Allez. Je suis tellement bien posé en hauteur que vous parviendrez à me tuer un ou deux soldats. Après, on va bien narguer leurs hommes derrière, donc ça va être un bon avantage. Feu à volonté, soldats. Ils tombent pas en déroute, c'est horrible. Ça m'étonnerait qu'on puisse gagner avec des mecs qui tombent pas en déroute. Chargez. Oh oui, ça fait du bien. Au moins maintenant vous pouvez savoir que les tanks peuvent charger. Ce qui fait un truc un peu bizarre, mais bon. Et maintenant on transperce les lignes. Vite, vite, va charger là. J'ai besoin d'aide. Mais... Attention, c'est la charge. Et c'est la charge. On se sent pas trop mal. Oui, c'est bien, ils sont tombés en déroute. Maintenant, tu vas te poser là. Ça marche pas, en fait.
Ça marche pas, vos petits jeux. Excusez-moi, je suis tellement concentré sur cette baston. Bon, au final, on s'en sort pas trop mal. On a juste des pertes à outrance, mais bon, ça va. 60%. Oh mon dieu! C'est la meilleure bataille sur ce mode qu'on ait jamais vu pour l'instant. La stratégie, faut vraiment que je m'installe en hauteur comme ça. Si je m'installe en hauteur, on va massacrer leurs armées avant. Ah oui, tu crois t'enfuir? Attends, je vais te montrer ce qui sont les bonnes manières, espèce de petit enfant. Oui, vous mettez à fuir. Les mecs, ils savent tellement qu'ils ont échoué. Bon, mais vu la distance. Ça t'apprendra à mal causer, espèce d'enfoiré. Voilà, maintenant t'es devenu un beefsteak. Maintenant ton nom c'est Beefsteak Man, ok? Comment tu t'appelles? Mon nom, je m'appelle Beefsteak Man. LOL. Bon, là, Sextus, il va gagner une médaille. Je vais avoir un nouveau général. Je vous rassure, messieurs, ça n'est pas douloureux. C'est comme la guillotine, vous sentirez qu'un vent d'air frais sur votre nuque. Sauf que là, vous sentez un petit... Wouah, regardez la montagne. Ouah, putain, c'est vraiment, je descends de la montagne à cheval. Oh, la route. Putain, mais là, il se replie, mais c'est horrible. Cette bataille, c'est la meilleure. Je t'en prie, crache pas à la fin, parce que j'ai déjà eu de la chance que je perde pas là. Oh, j'ai récupéré un tankiste, là. Ah non, en fait, c'est un peu normal. On va aller les narguer. Allez. Bon, toi, tu vas arrêter. Bon, j'ordonne qu'ils continuent à tirer. Parce que regardez jusqu'où ils peuvent tuer l'ennemi. Bon, là, ça leur apprendra d'attaquer des mecs en hauteur. Putain, regardez la pente qu'ils doivent descendre avant d'arriver en bas. En fait, ils étaient épuisés avant même le début de la bataille. Oh putain! Ouais, donc en bref, la stratégie là, je vais mettre mes armées sur les montagnes. Regardez les mecs. On avait rien de général, il faut fuir! Même si on n'est pas en déroute. On va foncer dans le tas et on va aller décimer ceux qui tentent de fuir. Ok? Putain, mais ça c'est la pente, c'est la montagne de la mort! Regardez! Bon, j'ai perdu combien d'hommes encore? Et quel est le pourcentage? 6% d'hommes. Dont une dizaine de soldats. Bon, ça va encore. Je pense que le général, il va gagner une médaille. Ce qui va me faire un nouveau général. Donc, j'aurai une unité en plus. Oui, je sais, je suis un grand stratège. Regardez, ils n'ont pas changé le général. Il est toujours plus stylé. Putain, mais les pertes qu'ils ont subies. Non, mais là, ils peuvent pas se remettre de ça. Je suis désolée, mais on a massacré 73% de l'armée. Et hop, là, un petit rebelle qu'on écrase. Allez, on va massacrer ça en prime. Je devrais peut-être envoyer l'autre unité. Non, non. Si j'envoie celle-là, c'est génial. Mais tant que ça augmente leur expérience. Bon, alors, vu que les survivants sont en train de fuir, on va attaquer ceux dans le dos. Ouh, ça fait vraiment mal. Ah, je suis content de cette victoire. Ça va. Malgré qu'ils envoient beaucoup d'hommes, alors au moins ils savent un truc. C'est que la résistance. Oula, petit coup de lag. Ah non, c'est la pluie qui fait laguer le jeu. Très bien, lol. J'aime bien, genre le mec, il joue et là soudain. Oh, il pleut. Il manquerait plus que j'ouvre un parapluie. Ah bah non, ça porte malheur. Je vais continuer jusqu'à ce que vous soyez tous morts. Mais je peux pas, parce que là, les trois quarts d'entre vous sont partis comme des taupes. Là, vous pouvez la battre, non? Bon, on va attaquer les unités qui ont plus. On va attaquer. Bon, là, on a coupé les survivants en deux. Oh, c'est jouissif de voir ses ennemis se faire tuer. Vous savez pas comment c'est jouissif de voir une victoire pareille. Et en plus, j'ai les unités plus cheatées du jeu, alors. Alors, toi, tu vas les tuer. Regarde, ils sont en train de descendre de plus en plus la colline, mais maintenant ils sont morts. Putain, les mecs, vous mettez un milliard d'années à tourner vos canons. Bon, aïe! Les gars, je pense qu'on devrait arrêter la guerre. Ta gueule. On a encore 50 000 armées. Oh oui. J'espère qu'en prenant les villes du sud, je vais pouvoir gagner un peu plus d'argent. Ou en fait, c'est une guerre. Même pas de colonisation. C'est une guerre économique. Allez, allez, allez. Et je vais décimer votre petit général. Non. Alors, combien il y a de mecs là-bas? Oh, ça, je n'aime pas ça.
Bon, là, c'est pas grave, tu traverses les lignes. De toute façon, on a gagné. Et voilà, et tu vas aller tuer ça avec tes potes. Là-bas, ça traverse les lignes, je présume. Excusez-nous, on fait que passer. Ah, les gars, c'est pas le moment de faire une bronzette sur le sol. Putain, les hommes lézards sont morts. Je me demande si mes hommes, ils doivent pas dévorer les cadavres des hommes lézards. Non, je dis ça parce que peut-être que mes hommes, ils ont trop faim. Fresh, very tired. Bon, ça en valait la peine au moins. 81%. Succès déverrouillé. Exterminateur. Non, en fait, je pense pas que ça marche. Ah si. Bon, aïe. José est mort. Carnegan. Oh. Putain, il vise tellement bien, c'est con. En fait, j'ai bien compris, les munitions, bientôt, tu... Un mec. Donc en bref, mes mecs, ils sont devenus des experts. Aïe. Et je me suis fait couper la queue. T'inquiète pas, elle repoussera dans une semaine. Peut-être jamais si on s'en sort. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Aïe. Oh. Aïe, victoire totale, ça tu peux le dire. 6% contre 82%. Boum. Alors, Farsanzez, ça te fait quoi de te faire défoncer, hein? 22 soldats tués. C'est pas très bien. Contre, avec 3 blessés, c'est vraiment la honte. Ouais, j'ai une unité qui a perdu 16 hommes. Oula. Bon, on va continuer de rester sur cette colline tant que mes hommes tiennent. Tenez. Je vais dire que ça veut dire oui. Alors, ils ont perdu 674 hommes. Heroic victory. Je crois que quand... Bon, on va se retrouver sur le terrain pour...